Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et c'est le haul que vous attendez tous, oui je pense, le haul Shein spécial Black Friday. Comme chaque année, il y a la Black Friday et comme chaque année, Shein fait aussi ses grosses promotions. Donc du coup, j'ai pu choisir des articles et cette vidéo sera en deux parties parce qu'il y a énormément d'articles et franchement, les gars, j'ai trouvé des pépites, je vous ai un peu spoilé sur Insta et à chaque fois, on me dit « Ah, ça vient d'où, ça vient d'où ?» Et du coup, je ne pouvais pas vous le montrer avant cette date, donc le 15 novembre, ça commence à partir d'aujourd'hui. Et franchement, les gars, on a des pépites, donc je vais commencer sans plus tarder. Comme d'habitude, j'ai un code promo qui s'affiche juste ici, valable sur tout le site. Attention, il est différent du code promo habituel que j'ai, donc notez-le bien. On commence avec cette chemise que vous m'avez vu porter il n'y a pas longtemps. C'est celle-ci qui est juste là. Non, j'aurais dû la boutonner. Voilà, dans les tons marron, blanc, un peu graphique, mosaïque, j'en sais rien, mais juste canonissime. Elle est trop trop belle. Je l'ai prise en taille L pour un effet oversize, bien sûr. Si vous ne voulez pas sous-tailler là, puisqu'elle taille quand même assez grand, je trouve. L ou XL ? Non, elle. Et je l'adore. Elle est vraiment canonissime. Elle a un aspect un peu, alors pas satiné, mais un peu dans cet esprit-là, vous voyez. Et elle est canon. Elle est super longue et elle est trop jolie, quoi. Vraiment les couleurs d'hiver, comme j'aime. Canon. Je l'ai portée avec cette jupe aussi que vous avez adorée en simili-cuir. Et j'étais telle, enfin façon simili-cuir. Mais quand même, ça va. Il n'est pas épais, mais il est bien. Franchement, pour le prix, alors je ne sais plus comme d'hab. Tout sera en barre d'infos, je le répète. Taille, lien, voilà. Mais elle est trop trop belle. Elle s'attache avec des boutons. Donc ça aussi, c'est pas mal, ça change. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle est quand même assez longue dans le sens où moi, encore une fois, si vous allez sur ma chaîne, j'ai des formes, voilà. Et du coup, quand certaines jupes sont courtes, elles font remonter mes fesses. Et du coup, c'est pas joli. Et là, franchement, j'étais à l'aise. Je l'ai prise en taille XL, donc... Toujours ce problème de taille, de morpho, c'est un petit peu grand à la taille, mais franchement, ça va. Franchement, nickel. Je l'adore, j'étais trop contente. Et franchement, pour le prix, elle est vraiment pas mal du tout. Donc en plus, avec la réduction, pépite. Oh, cette robe, ça a été mon coup de cœur, mais j'étais tellement contente de rentrer dedans. J'ai dit, ouais, je l'aimais trop quand je l'ai vue sur le site, style un peu preppy, façon Gossip Girl. Donc pareil, vous l'avez déjà vu. Portée. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est bien dommage, mais j'avais tellement, enfin voilà, j'étais obligée de vous les montrer, donc je pouvais pas tout dire, mais voilà, elle est trop trop belle comme ça, donc c'est une robe, je sais pas si on dit robe chasuble, il me semble, mais je suis pas sûre, mais du coup voilà, robe sans manches, dans les imprimés un peu carreaux, gris comme ça, trop belle, j'ai aimé avec un petit, vous voyez la photo là, avec un petit béret, un petit haut blanc, des petits mocassins et des chaussettes, franchement j'ai adoré, et vous aussi vous l'aviez trop aimé, je l'ai prise en taille XL, elle me va bien, elle est pas trop courte, franchement, j'adore, bon, après je mets toujours des petits shorties en dessous hein, de mes robes, voilà, c'est pour être plus à l'aise, surtout quand elles sont un petit peu plus courtes, c'est pas des robes longues, mais franchement canon, en plus j'ai bien aimé le détail des boutons, non franchement, très bon rapport qualité prix. Ce blazer, bon j'avais dit plus trop de blazer, mais j'ai pas un blazer comme ça, il est trop beau, je faisais penser un peu à Harry Potter, mais quand j'ai vu la photo sur le site, j'ai dit ah ouais, franchement ça change, il est trop beau, donc dans les tons donc, bleu à carreaux avec du marron, du beige, du bleu, j'ai adoré, et surtout le petit écusson, super original, alors pareil, il faut que je lise quand même ce qu'il y a dessus, la foi à l'art, bon, bref, on s'en fout, j'ai bien aimé, je l'ai prise en taille XL, Unifree, je sais pas si c'est une collab, je sais plus, mais j'ai adoré, c'est pas un blazer long, c'est mi-long, mais franchement il est canon, et ça change, il est vraiment quand même qualitatif au niveau, il est pas épais, mais il est bien, franchement il est bien, il est vraiment bien, bon rapport qualité prix aussi, je vous ai dit, des pépites. Vous allez voir pas mal de verres dans ce haul. Cet ensemble vert façon tweed avec un blazer et un short. Alors franchement, j'ai adoré, mais c'est toujours le même problème au niveau du fessier. Voilà, malheureusement, ça ferme, mais j'aurais préféré que ce soit large comme sur la photo. J'ai pris du XL. Alors vous avez rigolé, mais du coup, ça fermait pas derrière, donc j'ai mis la fermeture devant. Voilà, au moins pour vous montrer sur la photo, mais c'est pas comme ça qu'il se porte, la fermeture est derrière. Mais en même temps, les vêtements, on en fait un peu ce qu'on veut, hein, j'ai envie de vous dire. Mais du coup, voilà, il est vraiment trop court. Bon. Après, c'est une question de morpho, hein. Il y a quelqu'un qui va faire du XL et ça va rentrer sur lui. C'est que moi, j'ai vraiment pris au niveau des hanches, des fesses, des cuisses. Donc du coup, voilà, je me répète, ça c'est pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Mais c'est compliqué de trouver des bas. Bref. En tout cas, si vous rentrez dans un XL facile, prenez-le, il est vraiment très joli, qualitatif, façon tweed, comme on voit un peu chez d'autres marques, hein, dont je ne citerai pas, mais vraiment, vraiment canon, il est, puis cette couleur vert comme ça,
Alors, c'est un peu la saison, quoi, tu vois. Mais vraiment trop, trop beau. Franchement, j'adore le blazer, nickel. Les gars, on est sur une autre pépite que j'ai oublié de repasser. Je suis désolée, mais je vous la montre quand même. C'est cette robe. Alors, on peut dire façon blazer, parce qu'elle s'attache un peu comme un blazer, mais surtout cut. Vous voyez, c'est un peu la mode des hauts, un peu découpée. Voilà, elle est découpée comme ça au niveau... Pas vraiment des hanches, un petit peu juste au-dessus. Et elle est trop belle, vraiment pépite. J'ai pris en taille XL, elle me va parfaitement bien. Elle n'est pas trop courte. Elle est quand même un peu ouverte devant. Mais voilà, comme je dis, vous mettez un petit cycliste en dessous. Et elle est trop belle. Elle est trop, trop belle. Donc, repassez, ce sera encore mieux. Et ce petit vert qui change, vous voyez, ils avaient vraiment énormément de déclinaisons de vert. Et du coup, un vert un peu, je peux dire bouteille. Non, pas vraiment. Un vert sauge. Kaki, je sais pas, bref, vous voyez, mais elle est vraiment canonissime, elle taille vraiment bien. Donc prenez votre taille habituelle si vous la prenez, mais pépite, pépite, pépite. Vous verrez aussi pas mal de pieds de poule, voilà, je vais recommencer à mettre du pied de poule parce que c'est un imprimé que j'aime beaucoup. Et pareil, cet ensemble aussi qui est vraiment mais qualitatif les gars, c'est un ensemble en plus vendu ensemble. Je crois que ça coûtait moins de 40 euros. J'espère ne pas me tromper, mais vraiment, j'ai trouvé, quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais c'est hyper qualitatif, c'est lourd, quoi, c'est vraiment épais. Donc, j'adore. Donc, c'est composé d'une veste, on va dire un blazer, d'une veste un peu courte, elle n'est pas longue, mais c'est pas croque, mais voilà, et d'un pantalon. Pareil que j'ai pris en taille XL et je rentre dedans, j'étais contente. Non, franchement, il est bien, il est un peu... C'est comme il n'y a pas d'élastane, tu vois, voilà, sur le même problème. Mais franchement, il est bien, je suis trop, trop, trop contente parce que j'adore l'imprimer. Avec, là, je l'ai porté, je me semble, avec des petits escarpins, mais pareil, ça ira bien avec une petite paire de baskets blanches ou noires. Voilà, si vous voulez un look un peu plus décontracté. Mais franchement, les gars, si vous aimez cet imprimé, si vous aimez cet ensemble, foncez. Je vous dis, le truc est lourd, c'est hyper qualitatif, quoi. J'étais choquée, donc franchement... Pépite, je vous ai dit, il n'y a que des pépites. Bien sûr, quand je fais ma sélection Shein, je vais toujours aller voir chez Motif. Voilà, M-O-T-F. Je vous avais fait un haul spécial hiver avec des vêtements, mais des pépites encore une fois. J'arrête pas de dire pépites, mais des dingueries, des tueries si vous voulez. Mais c'était un haul spécial Motif puisque c'était des vêtements spécial hiver avec des vêtements en cachemire, en laine, vraiment de qualité. Si vous ne le savez pas, Motif, c'est la marque premium de Shein et vraiment un bon rapport qui a été pris avec des matériaux quand même plus élaborés, plus chic, plus de qualité quoi. Et du coup j'ai pris ce blazer en bleu. Alors pareil, je n'avais pas de blazer bleu. Voilà, en même temps je prends que des choses que j'ai pas hein. Clairement vaut mieux, mais j'ai adoré. Donc pas à peine encore une fois de vous dire que c'est de la qualité. J'ai même pas enlevé les papiers sur les boutons, mais avec des boutons dorés, assez classiques, hein, comme blazer, mais un blazer qu'il faut avoir dans sa garde-robe avec la petite poche comme ça, très classe, franchement canon, avec des petits boutons ici, très très beau, mi-long, bon ça dépend de la taille que vous faites clairement, mais voilà, franchement j'ai adoré, je ne vais pas vous dire pépite encore, mais... Une autre jupe, alors il faut aimer la tendance écolière, la tendance jupe lissée, moi j'adore, surtout l'hiver là avec des collants, des cuissardes, des petits mocassins, je surkiffe. Donc j'ai pris celle-ci qui est, ouais, à porter quand même, celle-ci vous portez cet hiver avec des collants, c'est un peu léger mais franchement ça va, avec, j'adore, j'ai adoré le contraste en fait avec le beige, il est... L'imprimé carreau. Je l'ai prise en taille XL. Alors après les jupes patineuses, c'est vrai que ça peut vite donner du volume. Si vous avez moins de forme, ça peut être bien. Ça peut vous donner un petit peu de volume si vous en avez beaucoup. Faites attention. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de fesses. Ça, derrière, c'est un peu large. Maintenant, voilà. Moi, ça me choque pas. J'aime bien. J'aimais trop. Avec un blazer, ça passait super bien. Vous mettez un petit haut col roulé comme ça. Vous rentrez à l'intérieur. Un petit blazer, enfin, ça claque. Magnifique. Franchement, j'adore. Bon, je sais plus le prix encore une fois. Mais, ouais, assez bon rapport qui a été pris. Mais à porter avec des collants quand même, ça reste un petit peu léger pour l'hiver. Hiver, je parle. Je vous ai dit, on a du pied de poule. J'ai pris cet ensemble. Donc, alors, attendez. Il se consomme. Bien sûr, Céline. Bien sûr. Il se compose d'une jupe pied de poule. Putain, j'avais une jupe comme ça à l'époque. Je me souviens, mais ça fait vraiment longtemps. J'adore cet imprimé. Ah, un petit peu court pour moi qui fais 1m72. Voilà, c'est quand je dis court, ça me gêne pas, ça me dérange pas de mettre du court, mais du court où je puisse me baisser quand même et qu'on voit pas la lune, tu vois. Donc voilà, un tout petit peu léger, mais j'aime beaucoup. Donc pareil, j'ai pris taille XL et la veste. Oh,
canon, bien longue. Alors pareil, vous pouvez porter, c'est pareil, hein, encore une fois, vous faites comme vous voulez, c'est d'ailleurs ce que je vais faire. J'adore, donc veste de mi-saison, hein, clairement, si vous voulez apporter cet hiver, il faudra quand même mettre un pull bien chaud en dessous, mais elle est trop belle. Petite veste classique, mais juste comme il faut, assez qualitative encore une fois, parce qu'elle est quand même bien lourde, donc ouais, pas mal, franchement, pépite. Ensuite, un pantalon noir, mais de la gamme Tôle. Shein fait aussi, donc ils font Shein normal, on va dire, hein. Shein curvy, Shein tôle et Shein petite. Alors, il n'y a peut-être pas tous les modèles, mais ils ont quand même des modèles. Et du coup, donc moi, je fais 1m72 et c'est vrai que parfois, je vous en ai parlé dans mon dernier haul, c'est pas évident de trouver des pantalons qui peuvent pas être parfaits au niveau de mes pieds, mais qui soient pas trop courts. Moi, j'aime pas trop quand c'est trop court. Enfin, il y a une limite, tu vois. Enfin, je pense que vous comprenez. Et du coup, je me suis dit, bon, j'aimerais bien trouver un pantalon noir assez long, un peu coton, que je pourrais porter cet hiver, un peu style pantalon de costume et tout. Donc j'ai pris celui-ci de la gamme Tôle. J'étais un petit peu déçue parce qu'en fait je pensais qu'il était vraiment plus épais. En fait c'est une matière satinée. Attention, la matière est vraiment bien. Si vous cherchez un pantalon un peu style satiné, il est parfait. Si vous cherchez un pantalon plutôt style pantalon de costume, ce sera pas celui-là. Maintenant, j'ai pris un XL, ça va. J'ai pris, donc vous verrez sur les photos, sur les vidéos, donc oui, ça me va. Maintenant, j'ai du ventre parce que j'ai des problèmes d'endométriose, ça, je n'y peux rien. Donc voilà, c'est tout. Ça fera toujours un peu ressortir mon ventre. Mais je veux dire, au niveau de la taille, il est comme il est dit, un XL, tout va bien. Maintenant, au niveau de la longueur, il est très bien aussi, il est très long. Vous le voyez porter pieds nus et avec des talons, franchement, parfait. Maintenant, sachant que mes talons doivent faire, je porte pas des talons de plus de 5 cm à peu près, ouais, enfin vous verrez, à part une exception, mais voilà. Du coup, je pense que si vous faites 1m85 à 90, ce sera peut-être un peu court. Donc voilà, je sais que c'est compliqué, mais voilà, si vous faites 1m72 et plus, ce sera parfait. Et du coup, franchement, non, très bon pantalon, bon rapport qualité-prix. Je sais plus le prix. Pas que je vous dise ça, parce que si je vous dis pour rapport qualité-prix qui vaut 40 balles, c'est un peu compliqué. Mais en fait, juste, il est un peu transparent. Voilà, c'est ce que je reprocherais. Il est un peu transparent, donc faites attention. Portez peut-être un petit cycliste en dessous, un collant, ce que vous voulez, un legging. Mais franchement, j'aime bien, je le porterai sans problème. Voilà, ouais, belle découverte, juste j'aurais aimé qu'il soit un peu plus épais. Ensuite, ce petit pull vert classique. On voit un peu ce pull, enfin ce genre de pull un peu partout. Le vert, de toute façon, revient à la mode en force cet hiver. Et celui-ci, je l'ai très classique. Voilà, très pull classique, j'ai pas 50 000 choses à dire dessus, sauf que l'odeur. Quand je l'ai reçu, j'ai dit « what the heck ?» L'odeur était trop forte. Moi, je vous dis les choses, clairement, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas reçu un produit Shein qui sentait comme ça. J'en fais des tonnes et des tonnes et des tonnes. Voilà, vous voyez mes vidéos, je vous l'aurais dit, mais c'est franchement... Peut-être la deuxième fois dans tout depuis le temps que je travaille avec eux. Juste ça, j'ai pas compris. J'ai dit, waouh, ça sentait vraiment fort. Donc là, je l'ai pas encore lavé, je vais le laver. Mais, ouais, juste l'odeur. Mais à part ça, je sais que ça va partir au lavage. À part ça, si vous cherchez un petit pull classique vert comme ça, il taille bien. J'ai pris une taille L, il me semble. Il n'y a pas la taille, mais je crois que c'est pris une taille L. Voilà, parfait. Je serais trop contente, bah, justement, avec le pantalon, de porter avec un pantalon jupe. J'adore. On passe ensuite aux chaussures et je vous ai teasé hier cette paire de chaussures que j'adore. Alors clairement, je ne sais pas où quand commence, ça va être une paire de chaussures que clairement je vais porter quand j'aurai pas beaucoup à marcher de par mon handicap, c'est sûr. Mais franchement, je les ai tellement kiffées que j'ai dit non, il me les faut. Dommage que le talon soit si haut, mais c'est ce qui fait aussi la chaussure. Donc franchement, si vous aimez ce genre de chaussures, prenez-la. C'est celle-ci. Oui, je sais, ça ne va pas plaire à tout le monde. Ça ne va pas plaire à tout le monde de par la couleur. Maintenant, attention les gars, il y a d'autres couleurs. Il y a du noir, il y a du blanc, il y a d'autres couleurs. Moi, je l'ai pris en vert coco comme ça parce que je trouvais ça hyper stylé, original. Et oui, j'ai un peu d'amour pour le vert dans cette saison. Donc voilà, bottine classique. Donc bien sûr... c'est pas du cuir, hein, c'est en plastique, mais très joli. Talons, oui, un peu plus haut, enfin en tout cas pour moi, mais je les adore. Elles font une belle jambe, une belle, un beau pied, franchement canonissime. Encore une fois, vous avez d'autres couleurs, mais je les ai trouvées canon. Et vous voyez, oser porter des couleurs, c'est sûr qu'avec du noir, avec du beige, ça passe. Voilà, il faut aimer, vous n'êtes pas obligé de prendre du croco. Après, voilà, certains diront oui, le croco, ça fait vulgaire. Ça dépend comment vous le portez et tout est dans l'attitude, les gars. C'est dans l'attitude. Si vous mettez une jupe voilà, ouais, c'est sûr que, voilà. Mais tout est dans l'attitude. Si vous mettez une veste longue, voilà, il faut savoir le porter et...
coup de cœur, réel, réel, réel coup de cœur. Donc voilà. Deuxième paire de chaussures, je voulais des boots blanches à tout prix. Donc soit des bottes, soit des bottines, et j'ai opté pour les bottines blanches très classiques. Voilà, encore une fois, je ne précise pas, mais ce n'est pas du cuir. Mais je trouve quand même qu'elles sont assez bien faites, puisque vous n'allez peut-être pas voir, mais ça fait un peu effet cuir, c'est trop bien. Le talon est déjà un peu plus portable pour moi, hein, de par mon handicap, mais elles sont très jolies. Elles sont, vous avez vu un petit détail comme ça, c'est plus court derrière et plus long devant. Je trouve que ça change. Voilà, elles sont quand même assez confortables. Très bon rapport qualité-prix. Je crois que c'est que du blanc pour ce modèle-ci. Après, vous avez énormément de chaussures sur Shein, donc voilà. Mais ça, je trouve ça bien parce que clairement, le blanc, des bottes blanches comme ça, c'est pas quelque chose qu'on porte tout le temps. Donc, soit on investit, soit on n'investit pas. Moi, j'avais pas franchement envie d'investir dans une paire de bottes blanches. Je sais très bien que je vais pas les porter tout le temps. Mais voilà, pour égayer une tenue, pour changer un peu, top. Et le talon bout carré comme ça, vous serez confortable. Avant-dernier article, vous allez me dire non encore Céline, on en a marre de les voir. Oui, je sais, mais moi j'adore, franchement. Ce sont ces petits sacs là avec la chaîne et du coup moi je l'ai pris en marron et franchement très bon rapport qui a été pris. Contrairement à d'autres marques qui le vendent beaucoup plus cher, franchement foncez si vous adorez. Il est canon, il y a énormément de marques. Moi j'ai pris ce petit modèle juste parfait. Franchement, franchement, je trouve hyper qualitatif. La chaîne aussi, elle est vraiment lourde. Il est pas trop mignon, franchement. Il est trop beau, fermeture à pression. Je l'avais mis pour aller à la Blonde Sugar avec mon petit blazer orange et tout, mes bottes noires. Ça passait super bien. Il est trop, trop beau. Franchement, hyper bon. Moi, je trouve bon rapport qui a été pris. Vous avez énormément de couleurs. Vert, orange, beige, rose. Enfin, voilà, noir, si vous voulez, du plus classique. Mais franchement, foncé, il est... J'adore. Dernier article, c'est le pull que je porte, donc pull, je pense pas que les manches étaient aussi, les épaules étaient aussi tombantes, donc voilà, mais très très joli, vraiment qualitatif aussi, assez épais, assez lourd. J'aurais pu prendre une taille en dessous, voilà, mais j'aime bien, je sais plus quelle taille j'ai prise, je vous mettrai à l'écran, mais très joli, puis cette couleur un peu Bordeaux qui tire un peu vers le rouge est très jolie. Enfin, je trouve que ça va bien en plus avec le make-up que je porte là. Canon ici, moi j'adore les longues manches comme ça. Ça fait vraiment pull un peu cocooning. Pareil, si vous êtes frileux, vous portez un petit col roulé ou quelque chose d'un peu plus chaud en dessous. Mais franchement, il est trop trop joli. J'adore. Voilà, la première partie de mon haul est terminée. Oui, il y a une deuxième partie qui arrive très 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 vite. Donc restez connectés. Dites-moi en commentaire les ou la pièce que vous avez aimée. Si vous n'avez pas aimé, il y a d'autres pièces. Énormément de pièces pour la Black Friday, franchement, faites-vous plaisir. Il y a énormément de modèles, en plus des promos et en plus du code promo qui s'affiche juste ici. Donc voilà, j'espère vraiment que ce haul vous a plu. Mes bichons, je vous embrasse. Je vous mets mes deux derniers hauls Shein juste ici. Et je vous dis à bientôt pour la deuxième partie.